Amen. Soulevez la bouteille. Et nous allons prier. Pour tous ceux qui représentent les familles. Cette mort pourrait venir en ton honneur. Pour représenter quelqu'un. Pour représenter une personne. Quel que soit le lieu où se trouve cette personne. No matter what the person is. Je proclame la délivrance de cette personne ce soir, tonight, dans le nom de Jésus-Christ. Jesus name. Vous levez les bouteilles et nous allons parler. We're gonna talk. Amen. Amen. Nous allons dire, proclamer la puissance de Jésus-Christ. The power of Jesus. Nous n'avons que lui seul. Only him. Comme appui, comme force, comme soutien, comme soutien. Prenez votre chaussure. Ah. Laissez-lui, mettez-lui la côté. Après, on va prendre lui. Parlez, vous dites, tous ceux que je parle de la terre, quand vous le dites, tous mes ennemis, tous. Amen. On est en train de faire la vie. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. Oh, l'action prophétique, c'est une révélation que Dieu donne à son serviteur pour régler un problème bien spécifique. Amen. Amen. Le problème de Naaman, Élisée a dit, va plonger dans le Jourdain. Il ne voulait pas, il ne croyait pas à ça. Mais c'est la révélation. Il dit, mais quand je suis malade, tu veux aller plonger dans le Jourdain. Mais quand Naaman a plongé dans le Jourdain, ça a été réglé. Amen. Mais il y a des séries de guérison, ce n'est pas la même chose. Alléluia. En ce qui concerne cette action, Goliath doit tomber. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est une action prophétique. Pour que les murailles de Jéricho tombent, il a fallu que le peuple d'Israël tourne la première fois, le premier jour, une fois, le septième jour, sept fois le tour. Pour que les murailles tombent. Donc c'est une révélation qu'on donne. Or, demain matin, à 5 heures, le même rendez-vous est pris. Et quand fini, les pasteurs, vous êtes obligés de vider lui la bouteille. La dernière.
Vous parlez à la bouteille. Et pour vous laisser closer. Et nous ferons passer au fur et à mesure, parce qu'on a un hôtel ici, on nous fera passer au fur et à mesure pour exposer les bouteilles. Amen. C'est une action prophétique. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. On avait un moment donné de la vie de Jésus, son ministère a pris salé, la boue, pour guérir l'aveugle. Pourtant lui-même, il est celui de la guérison. Le prophète, il est dans les actions prophétiques. Donc vous utilisez, ça va marcher. Maintenant, demain, il aura une forte action. Il y a des choses qu'on n'explique pas, ça se vit. Moi, je n'aurai pas l'occasion de déballer tout ça. Mais demain, j'aurai du sel béni que je vais donner à chacun d'entre vous. Et puis, je vous demande comment vous allez l'utiliser. Et ça, gratuitement, je vais vous donner ça. Amen. Et ça, c'est vraiment très important. C'est des femmes qui ont des problèmes de fibromes, par exemple, les problèmes d'accouchement, d'enfantement. Je vais vous donner cette huile-là. Vous allez boire tous les soirs avant de dormir. Un peu dans l'eau, et vous allez voir, ça va sortir. Ça va sortir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? La semaine prochaine, on a le vendredi, le samedi, on va prier spécialement. Priez spécialement pour ceux qui veulent faire des affaires, le commerce par exemple, et ceux qui veulent voyager. Ceux qui veulent faire le commerce et ceux qui veulent voyager, ça c'est le week-end prochain, nous allons régler ce problème. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Soyez bénis.